nous demandons à ce que vous soyez patients. Rien n'est ténèbre. Le temps qui va, nous allons aller dans les détails. Vous savez, moi, Joshua, petit Gérard, je suis à tête pour une militant de Guadeloupe. Il est vrai que j'ai quitté ce pays depuis 1995, mais je ne suis pas resté les bras croisés. Je suis militant non actif de la CAT, Togo, Action Chrétienne pour la révolution de la torture. Quand j'avais une vingtaine d'années, et à l'époque, le président fut M. Jonas Sokho, qui est devenu avocat, que vous connaissez. Et ce tapis-là, je le porte, ce chien de militant de Guadeloupe, je le porte. Et le 27, aux environs de 17h45, lorsque des gens que j'ai qualifiés, j'ai le courage de dire aux enquêteurs, au script, que j'avais en face de moi pas des gendarmes, mais certains, les présagers qui sont des militaires. Je respecte les gendarmes, ils font du bon boulot pour la nation. Et le comportement, le langage, ce que j'ai subi. Étant au volant, je venais d'une réunion, comme vous le savez, avec le G5. C'était énorme, c'est horrible. C'est une mépris totale envers les acteurs politiques que nous sommes. Je tiens un souvenir. Vous savez, la démocratie signifie une égalité entre les citoyens. C'est ce qu'a exprimé Tocqueville. Et nous savons tous que, au Togo, spécialement, quand vous engagez dans ce combat, qui est un combat nouveau, avec un sens de responsabilité, il y a des risques. Mais ce risque-là, je l'ai mesuré avant d'arriver à l'OMM le 12 janvier 2020, pour apporter ma modeste contribution à la tenance que nous voulons tous se mettre. L'interpellation, bon, c'est un enlèvement de l'acteur politique. Nous méritons du respect. Je sais qu'on ne va pas au script pour chercher des pains au chocolat, ni du café, au lait, ni des fraises. Mais quand on envoie des gens recherchés, il faut quand même un minimum de l'égalité. Ayez le courage de présenter votre carte professionnelle, carte de service, le mandat ou bien la convocation, et je vous suivrai. J'ai le droit, notre constitution me donne le droit et le devoir, c'est un droit naturel, de créer ce qu'on appelle une résistance à l'oppression. C'est un droit naturel. C'est ce que j'ai fait dans les 10 minutes qui ont décidé mon enlèvement. Et je vais dire une chose. Mon prénom, c'est Dodier Mamouti et ce duage. Parce que ce jour-là, je ne vais pas prendre la voie qui passe de l'ambassade de l'Allemagne jusqu'à mon lieu d'enlèvement. Généralement, je ne prends pas la voie présidentielle à plage, à supposer que c'est ce que j'avais entendu le jour-là, peut-être que je ne serai pas devant un grand qui me souhaitait. C'est regrettable. Je tiens à remercier
Je tiens à remercier sincèrement le Nord Carbone, qui a le bon texte, la science et vise, la vigilance. Ce qui était devant moi, entre lui et moi, il y a un véhicule. Donc nous étions arrêtés au feu tricolore. Et je ne sais pas par quel moyen il a su regarder son rétroviseur. De l'intérieur, il a remarqué que mon question n'avait pas de son collègue. C'est parce que j'ai résisté. Et quand j'ai vu Carbone, j'ai dit non, il faut aller jusqu'au bout. C'est un bon naturel. Beaucoup de choses se sont passées, je ne veux pas les répéter, mais toujours dit que le moment viendra où je vais aller en détail.